Salut, salut. Vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, là, aujourd'hui, donc, j'ai pas besoin de vous dire. Vous avez vu que la chaîne, ça parle de l'informatique. Mais aujourd'hui, on va faire une exception. Donc, je vais vous mettre un peu de lumière là. Hop là. Donc, je disais, donc la chaîne, ça parle de l'informatique. Mais aujourd'hui, on va voir pour cette télévision-là. Ok? Lui, qu'est-ce qu'il a? Enfin, elle, qu'est-ce qu'elle a? La télé. Mais je vais vous montrer. Parce que c'est son cadre déjà. Parce que lui, apparemment, lui, il a un problème au niveau du son. C'est-à-dire que ça ne... il joue pas le son. Je vais brancher ça déjà. Pour voir. Là, c'est, je le mets uniquement sur ton son pour détecter. Oui, c'est là. Oh. Avant tout, bon là, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est pour ça que j'ai été comme ça là-dessus avec les touches, les choses comme ça, les bagues et tout ça. Donc, vous. Si vous comptez voir comment ouvrir au moins cette télé là, parce que des fois ça a des petits soucis, donc parfois il suffit de l'ouvrir et puis vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne débranchez rien du tout. Ce qui vous parle, ça vous parle, mais sinon vous faites appel à un technicien. Donc, je vous dis pas d'aller ouvrir votre télé alors que ça fonctionnait, et puis après vous allez me dire que ah, ça fonctionne plus, c'est de ma faute. Ça, je ne veux pas ça par contre. Ok, je ne veux pas ça. Donc, je vous disais que je voulais pas ça. Donc là, je vais l'allumer pour vous montrer. Voilà, c'est un TCL, hein. C'est de la marque TCL. Il est allumé, donc je vois que je le mets. Parfois c'est les réglages qui peuvent avoir un petit souci, donc vous avez été là dedans pour regarder tel paramètre, quoi que je sais pas quoi, de toute façon la curiosité c'est pas mal. Ok, et puis ça dérègle certaines choses et puis du coup ça vous sort des petits soucis comme ça, il n'y a pas de son, donc du coup dans ce cas vous allez dans les paramètres. Mais parfois ça vient du matériel même. Là, moi j'ai un doute que ça donne pas le son. Allez, la bouche. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est bon, j'ai le temps de me reposer. C'est pour rester là, on m'a dit que avec Salomé. Non, mais y'a rien. C'est là. Mais si, faut que tu te remues là, que t'ailles la récupérer. Ça. Non, je vais pas faire ça, non. Ça vous fout pas. Elle est très claire vendredi. C'est normal, elle est vénère. T'es en là pour son dessert, c'est tout. Je vais attendre. Y'a pas que ça. Je l'ai trompé accessoirement. Tromper, ça se discute. Quand t'as couché avec elle, c'était pas méga clair entre vous. Mais peu importe, quand j'étais avec Salomé, elle m'a bien dragué. T'as chauffé de ouf, tu veux dire? Bon, j'avais mis l'occasion de lui dire stop et je l'ai pas fait. Bah ouais, t'es humain. Ouais, attends, mais franchement, on commence à en douter. Ça se peut que, à un certain moment. Ça arrivait qu'une fois. C'était un dérapage. Ça veut pas dire que c'est mort avec Salomé. J'en sais rien. Ça se peut que. Mais moi aussi. Je te le dis. Je l'aime,
elle t'aime. Parce que là, moi, j'ai pas compris. Parce qu'on m'a donné cette clé-là. Justement. On m'a dit que. Je sais pas si j'aime encore. Je sais pas si. Déjà, n'importe quoi. Et c'est vrai. Là, si c'est passé avec l'homme, c'est pas forcément un hasard. Il y a le son qui arrive. J'attends voir si c'est bon. Je sais pas. Donc, je vous invite à vous abonner à. Je vais le faire. Tu dis ouais, mais en fait, je n'aime pas vraiment. Mais ça, c'est parce qu'en fait, t'as largué. Mais ça n'a rien à voir, je me pose des questions. C'est tout à fait normal. Mais. Je veux plus souffrir. C'est juste que je sais pas si je l'aimais autant que toi. Je suis content de tes conneries là. C'est bon. Qui a la possibilité de la chaîne en fait. Et donc, les chaînes ont été. Bonne nuit. Si vous avez des opérations à faire dans une entreprise aussi, je vais le paramétrage de télévision, remplacement de pièces, par exemple, pour vous avoir un téléphone. Mais ça, là, dis-moi. Merci. C'est pas pour la péter, mais là, je crois que je me suis surpassé. Mais tu sais que je prenais pas que des desserts, hein. On a fianceuse, quoi. Ouais, monsieur. La classe, vas-y. Pousse-toi, tu me fais de l'ombre. Ouais, ok. Je voudrais pas voler la vedette à crème de citron et crumbelito. Ouais. Ah ouais, fait des photos un peu. Ligne des commandes. Bien sûr, vous faites des lignes de commandes avec Windows aussi. Et Mac. Ok. Puis, je vous dis que Linux, c'était le cas. Vous pouvez le faire en interface graphique aussi. L'interface graphique, c'est la façon que vous voyez l'ordinateur en elle-même. Vous cliquez. Vous... Voilà. Là, vous faites une utilisation d'interface graphique. Bon, il y a l'utilisation à l'interface command line, ou le CMD, ou voilà, avec des commandes pour les Windows. Et puis, on va courir autre chose, du shell pour du Linux. On les appelle des shells en fait. Donc, voilà. Donc, là, par rapport à cette télévision-là, vous voyez que le son peut me faire quoi? Ça vient de se couper. Affirmé et épuré. Et là, c'est en version électrique, essence diesel. Nouvelle Opel Mokka. Tout sauf normal. C'était la ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes, Opel passait à l'électrique avec l'Opel Mokka. C'était à partir de 159 euros par mois. Là, j'ai un appui. Hein. Je vois. Pareil. Il est grand, là, monsieur. C'est la soupe, ça fait grandir. Oui. Je ne sais pas si vous voulez. Là, je vais poser à l'autre. Voilà. Puis, j'avais le son qui n'est pas sorti en fait. Là, vous voyez que c'est à front. Hein. Je vais juste enlever l'antenne. Puis, tu vois. Tiens. Là, c'est à 100%. Vous voyez, là, je vais mettre. Là, normalement. Si c'était comme ça, on va dire à 0, par exemple, là, le volume, vous voyez que ça baisse. Ok. Vous voyez que ça, si c'était comme ça, j'aurais compris que ça ne donne pas le son. Ok. Mais là, vous voyez que. Ça. Là, je mets à front, il n'y a pas le son. Et c'est pas en muet. Vous avez le bouton muet sur certains de trucs. Donc ça, c'est une télécommande standard. Vous voyez? Et là, le problème, c'est que je commence à perdre de la lumière. Je crois que c'est le téléphone qui fait ça. De toute façon, je vais mettre de la lumière tout à l'heure, puisque là, nous allons voir ça. Ok, donc là, il y a de la lumière. Puis, c'est ça le problème de cette télévision là. Donc je vois si c'est les haut-parleurs qui posent problème. Les haut-parleurs, on va les trafiquer. Je vais prendre celle-là là. Ok. Qui, je vais devoir récupérer les haut-parleurs, voir si c'est les haut-parleurs qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Donc, on va voir. Bon, les nappes, ça peut être différent. Parce que là, vous avez vu, ça c'est du TCL, ça c'est du Grandet. Sinon, il va falloir qu'on commande le haut-parleur en fait chez le fournisseur officiel. Pour celle-là, c'est TCL, donc vous, ça peut être autre chose. Vous voyez sur internet, vous leur envoyez un mail ou vous déplacez aussi. Il y a des
Vous dites que vous cherchez telle pièce, vous allez pouvoir le trouver. Quoi. Donc lui, pour aller chercher le parleur dans ça, donc je vais devoir l'éteindre. Parce que, hop. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi pour certaines trucs. Par exemple, là, on va faire une première opération. Pour savoir, vous avez vu que ça jouait, d'un coup ça s'est arrêté. Là, ça c'est pareil. Donc je me dis, est-ce que c'est les haut-parleurs qui est, parce que ça c'est un contact aussi qui pose problème là. Parce que ça joue, vous avez entendu. Donc là, la plupart du temps, on y va dans les paramètres. Par exemple, les paramètres. Hein. Donc, alors vous avez c'est les paramètres. Sur votre télévision, ça peut être différent, tout dépend de la marque que vous avez. Ça c'est un TCL, donc là, donc moi pour y aller, vous avez le bouton menu sur toutes les télécommandes, il y a le menu. Et si c'est par exemple là, vous avez les sources, là c'est sur la TNT. Ok, donc du coup pour aller chercher votre lecteur DVD ou votre box ou votre site. Tout dépend, hein. Donc là c'est un HD, si vous branchez un HDMI, c'est via les sources que vous allez devoir chercher. Ça, ce sont des informations supplémentaires concernant la télé, quoi. Ça c'est pas un ordinateur aussi. Ok, donc là vous avez aussi pas mal de touches, mais l'essentiel, voilà. Moi je vais dans le menu, donc on verra après dans le menu. J'appuie sur menu là. Comme ceci, ça affiche ceci. Ok, maintenant je vais voir dans les paramètres. Je suis dans les paramètres là déjà. Options, je veux pas rentrer là dedans tout ça, c'est des choses qu'on voilà. Par exemple, si on se tarde un peu sur le sujet, parce que là il va falloir que je pense pas que je vais finir ça aujourd'hui. Parce que si je me tarde à vous expliquer tout ce qu'il y a là-dedans, là, comme les paramètres, là, il y en a pour demain. Donc là, c'est l'image. Hein. Vous avez ce segment-là, qui est l'image. Ok, vous avez. Ça, c'est pour le son. En principe, là, on a un problème de son. On fait un tour dans le son. Hein. Bon, minuterie, donc tout ça, option, on va voir. Source HDMI, en fait. Et vous avez le lecteur DVD, le verrouillage pour bloquer la télé aussi, mettre des codes. Et puis dans les configurations. Donc moi, ce que je vais faire un tour dans l'onglet son. Ok, je me place là et je clique. Là, qu'est-ce que j'ai? Read. Hop, ça fait balance. Ok, il y a un casier à part celle-là. Je vais. Bon, là, c'était pas la chose, donc ça va. Retard. Bon. Ok, ça, vous voyez, c'est fait, mais il n'y a rien qui se passe. Donc du coup, je peux même remettre ça comme c'était. Ok. Puis remettre ça comme c'était. Donc, je vous invite à vous abonner là. Ok. Pour plus de petits trucs là, c'est pour votre télé, vous avez pratiquement tous une télé chez vous là, parfois c'est en panne, ces petits trucs basiques. Ok, là bon, ça c'est pour stéréo élargi, en fait, au niveau de qualité de son. Donc on voit que c'est du stéréo élargi. Le balance, je vais le laisser comme ça. Si je le mets sur 1, je veux dire que ça peut, voilà, ça va jouer sur l'autre parleur. Voilà, moi je le laisse à 0, c'est correct. On a déjà vu c'est là, on a vu c'était à 20, on laisse à 20. En arrêt, donc si je mets ça en marche, bon. Il y a basiquement rien. Contrôle auto-volume. Moi je vais voir là-dedans, voir ce qu'il y a. Donc c'est en marche, je laisse ça là-dedans, en marche. Description audio, bon là il y a 3 points. Ça, lorsque c'est comme ça. Pourquoi c'est un arrêt, ça marche? Parce que parfois, si vous allez pianoter dans vos
Moi, je pense que ce n'est rien de tout ça. C'est juste pour vous montrer. Donc là, pour faire ça, j'ai fait exit en fait. On fait exit. Hein. Donc, sur certaines télévisions, ça peut être back ou de petites flèches tout simplement. Ou, par exemple, celui-là, là. C'est une télécommande, je voulais dire. Là, c'est uniquement exit. Ok, je reviens encore parce que je bah, c'est là, je suis sorti. Donc là, si vous avez des sources là, des trucs à brancher en HDMI, par exemple, vous pouvez brancher votre ordinateur dessus en HDMI si votre ordinateur portable ou fixe d'ailleurs vous fournit une prise HDMI. Vous reliez votre ordinateur à cet écran. Et dans le cas, vous allez dans le cas, vous allez dans les sources, vous allez choisir par exemple si je fais hop. Si je mets par exemple là, il y a sur celle-là, il y a deux prises HDMI, HDMI 1, HDMI 2. Donc si je les relie au HDMI 1, je vais devoir choisir, par exemple, je fais une source HDMI 1. Bon, là c'est un TNT, donc c'est un TV. Donc c'est TV en fait. AV c'est pour l'analogique, donc c'est pour les autres choses. Voilà. Et analogique en fait c'est l'ancienne diffusion, là on est à numérique. Vous avez HDMI 1. L'HDMI 1, si par exemple vous avez branché votre ordinateur dans notre cas là, on va chercher l'HDMI 1. Donc du coup il va chercher, donc vous ouvrez l'écran de votre ordinateur sur l'écran. Maintenant si vous l'avez mis en HDMI 2, vous faites la même chose mais vous choisissez HDMI 2. Et puis si vous souhaitez remettre ça à la télévision là, il faut toujours, soit vous faites menu, vous allez dans les sources, ou sinon vous êtes sur la télécommande là directement, vous tapez sur le bouton source, vous tapez sur le bouton source. Ok, donc je sors ici, donc j'ai là, on ne voyait pas. Ok, on est à peu près correct. Donc on a dit qu'on était à l'histoire HDMI. Donc du coup vous aurez compris que voilà, vous avez plusieurs sorties USB. Donc ça, si vous avez une clé USB avec des photos, vidéos, tout ça, vous pouvez les insérer, lire vos vidéos, lire vos photos et tout. Donc pour remettre ça en télévision, ce qu'on était, donc on appuie sur source encore. Ok. Oh, qu'est-ce que ça me fait? Ok. Là, celle-là, il n'y a pas de pile. Bon, là, j'ai été sur la clé USB, donc sur certaines choses, il y a des bugs en fait. Donc là, pour remettre ça, là, j'ai ma télécommande qui est bloquée. Voilà, là, bon, là, j'ai été carrément, c'est un flex, c'est pas. Je vais vous faire la même chose. Enfin, je vais vous montrer pour revenir parce que ça va vous permettre de enfin, de vous habituer à votre télé, quoi. Parce que, bon, ça vous aide quand même la plupart du temps, vous regardez s'il y a des petits trucs. Après, vous pouvez prendre contact avec moi, il n'y a pas de souci. Comme ça, je viendrai, vous me payerez, il n'y a pas de souci. Là, j'étais sur l'USB, hein. J'ai expliqué parce que là, ça bug. Si je continue encore, là, ça va bugger. Donc là, je retourne dans les sources. Ok. Dans les sources, je fais entrer. Et là, c'est soit HDMI 2. Donc je monte, je vais chercher TV. Bon, là, vous n'avez pas vu. Mais. Ok, là, ça revient correctement. Donc, du coup, on va passer à l'histoire du son. Là, c'est les paramètres. Donc, j'éteins ça d'abord. Ok. Là, on va faire l'action au lieu de papoter parce que on met un tout, on met tout ça en tension. Tout dépend, mais je vous dis pas d'aller faire ça si c'est très délicat comme on est pas. Hein? Moi j'ai enlevé ça, vous voyez. Ça se passe derrière, hein? C'est les vis derrière à enlever. Puis bon, ça je pense que je vais l'enlever ces trépieds là parce que ça va me poser problème. Donc ça c'est deux vis en bas. Donc, ok, c'est très correct.
je prends ma boîte à outils, vous prenez. Vous prenez ce que vous avez comme outil, je sais pas. Mais on va voir si c'est le haut-parleur là qui pose problème. Ouais, non, mais vous dites que il avait même pas encore préparé ses outils, il parlait comme ça. Mais c'est pas grave. Ok, voici le trousseau en fait là-dedans. Là, il y a de quoi pour ouvrir une crâne. Donc moi je pense que celle-là va faire l'affaire en fait, tout dépend de vos outils. Quand tu te piques fait là, ça va faire l'affaire. Tac. Par contre, il va falloir dévisser parce qu'il y a des vis. Pour ce modèle-là, vous abonnez pas comme ça. Achetez des trucs, vous allez bien voir. Je vous mets une petite atelier correctement. Vous allez voir. Donc, du coup, moi, je vais enlever les pieds là. C'est celui-là. Là. Okay, donc, il y a deux vis ici là. Ok. Donc, ce modèle-là, donc, pour d'autres, ça peut être différent. Bon, ça, on va comme tournevis. Je vais essayer d'avoir une tournevis aimantée. Ah, il va falloir que. Je fasse une autre chose. Je nettoie ça parce que quand même c'est clair. Voilà, on est parti pour une ou plusieurs parce que là c'est très délicat ce que nous allons faire parce que je vais faire ce que vous faites que regarder en fait. Voilà, en plus là j'ai tout qui part en vrac là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de batterie, donc du coup, c'est très simple. Tiens, je viens de voir ça. Sur cette télé-là, c'est une télé connectée. Donc, j'ai une prise RJ45 ici, là. On a vu que la télé ça jouait puis ça s'est arrêté à un moment donné. Donc, je pense que le haut-parleur fonctionne. Ok, donc je pense pas, avant d'ouvrir quoi que ce soit, je peux prendre mon câble RJ45, je vais venir le connecter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour l'OS en fait, le système d'exploitation. Parce que, comme je vous parlais là des systèmes d'exploitation, doucement parce que c'est oui, elle est comme malade. Ok, là je vais chercher l'OS directement sur internet. Normalement on est censé être capable de le trouver, puis là vous connectez au switch, sinon ouais au switch en fait,
ou sinon vous connectez directement soit avec une prise RJ45 sur votre box. Donc je vais devoir remettre cette télé sur tension pour aller faire la mise à jour du logiciel, parce que on avait testé au niveau du paramètre. Ok, bon, tout à l'heure lorsque j'ai mis ce truc là, ouais, ok, ah c'était là. Parce que là j'ai mis sur tension là. Je vais chercher le logiciel pour cette télévision. Nous allons faire ça ensemble. Vous verrez aussi. Parfois, si le logiciel, le système d'exploitation n'est pas à jour, ça peut provoquer des bugs aussi. Par exemple, là, je l'allume, puis je vais quand même. Tout à l'heure, là, vous avez vu, bonne tête. J'étais parti pour aller voir ce qui se passe dans les haut-parleurs. Or, que j'ai entendu que les haut-parleurs jouaient tout à l'heure. Vous aviez entendu aussi. Nous sommes à Jerez de la Frontera, en Andalousie, qui voilà. Abrite l'une des plus vieilles écoles d'équitation d'Europe. Pour s'en rendre compte, direction la salle des selles et ses dimensions impressionnantes. Vous avez vu que les haut-parleurs fonctionnent, puisque là, je l'avais éteint, je l'avais remis en tension, et ça m'a remis le son correctement. Donc du coup, là, je peux dire que les haut-parleurs, c'est pas ça. Donc, j'ai une bonne idée là, c'est d'aller chercher le logiciel pour mettre à jour le logiciel de la télé, puisque faut moi. Donc du coup, ça, je peux mettre ça à côté, on verra hein, de toute façon après on verra, parce que comment on va faire ça. Donc je veux faire une opération aussi, je vais purger. Non, je veux voir ça. C'est à dire que ce bug là, on va refaire le système d'exploitation de la télé. Donc je vais m'assurer que vous voyez tout. Là, c'est lui qui me guide. Voilà. Pourquoi un tel besoin de perfection? Tout simplement car cette école ne ressemble à aucune autre. Ça, elle est royale. Comprendre que son président n'est autre que le roi d'Espagne, dont la figure se retrouve à peu près. Si. Mais ça là-haut. La salle de spectacle où, dans les gradins, ouais, je bien voir. Royale, juste ici, en clair, sur cette chaise. Une seule personne a le droit de s'installer, c'est lui, Philippe VI, qui se joue. Quel honneur de sa présence. Peu importe, en coulisses, l'école complète se prépare pour le spectacle, donné chaque jour okay. À 17h. Là encore, aucune décidé au hasard, du sabot à la tenue des cavaliers. Ça, c'est le costume traditionnel andalou. Ça s'appelle le Coyesco. Il est composé de cette veste, des bottes okay, et d'un chapeau de bouillère. En fait, et je vais zoomer pour aller faire cette opération, puisque j'ai zoomé trop là. Ça va là. Ok, ça va. Bon, maintenant. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Ok. Maintenant, on a relié notre caméra J45 derrière. Et vous allez pas pouvoir voir le switch que j'utilise. Le problème, c'est que si vous faites ce ramonage tout seul, vous n'allez pas voir le switch que j'utilise, parce que là.
je vais te faire des dégâts. Moi, je m'assis parce que là. Ça va chercher parce que là, là, en principe, pour faire la mise à jour d'un système d'exploitation d'une télévision, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez mettre ça sur une clé USB, donc parce qu'il faut créer un compte sur le site du fournisseur. Vous relevez le modèle de votre télé et puis vous téléchargez le firmware, le logiciel. Et puis vous le mettez sur une clé USB, par exemple, dans le cas celui-là, c'est le cas qui est un port USB. Vous l'éjectez là-dedans, il y a des manips à faire. Ça, oui. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il y a les disquettes aussi. D'accord, on peut faire par disquette aussi, parce que ça, c'est une technique. Donc, ce que nous allons faire là, vu que cette télé à lui comporte une prise RJ45 directement, nous allons le faire directement sur par internet. En fait, il va chercher à notre place. On va voir si on demande autre chose. Donc, pour ce faire, je vais dans menu. Menu. Puis, je voulais aussi vous dire que pour parfois, si ça. Là, il suffit de réinitialiser ça correctement, de mettre ça en état magasin. Donc, ok. En état magasin. Là, il demande le mot de passe. Là, je vais le mettre en état magasin. Comme ça, vous allez voir aussi. Ok. Est-ce que vous ne voyez même pas? C'est-à-dire que si jamais vous voyez que les paramètres là, ils vous posent des soucis des fois, il suffit de le remettre en état comme lorsque vous l'avez acheté au magasin en fait, la configuration de base, comme si c'est une première configuration que vous allez le faire. Ok, donc là le son est reparti, là, vous avez vu. Admettons que je dis que bon, ouais, c'est les paramètres qui posaient problème, donc chose que je vais faire. Ben, je vais le mettre en état d'usine. Donc pour ce faire, sur ce modèle là, pour ce faire, il suffit que j'appuie sur menu là, sur la télécommande, et j'ai tout ça qui arrive. Ok, ici je vais dans configuration dans ce modèle là et je descends pour ce modèle là hein, l'autre ça peut être tout modèle, ça peut être autrement. Ça c'est un TCL. Et là, vous avez réinitialisation à l'état de magasin. Donc, si je fais ça, ok. Avec toutes les paramètres vont revenir à zéro. Pour certains, par exemple, là, il y a un mot de passe. Donc, si vous connaissez pas ce mot de passe, voilà, il y a quelqu'un qui a mis ce mot de passe là. Bon, là, c'est un mot de passe par. Parfois, c'est les mots de passe par défaut. Ça peut être des mots de passe 4-0 ou autre, en fait. Mais. Ou 1, 2, 3, 4 en fait pour certains modèles de télé, mais parfois c'est pas parfois non, pour chaque marque il y a un mot de passe qui permet de réinitialiser le mot de passe par défaut. Ok, donc pour d'autres marques ça peut être autre chose. Ça voudrait dire que vous obtenez ce mot de passe. Alors, si vous avez oublié ce mot de passe là, eh bien, vous allez rentrer le mot de passe qui va vous permettre de réinitialiser le mot de passe que vous avez oublié. Tout ça, vous pouvez faire des recherches sur internet, vous allez voir. Puis, sur le bouquin de votre livre, normalement, c'est mentionné là-dedans aussi. Donc, je retourne. Je vais par ici. Pour ce modèle-là, c'est configuration. Hein. Vous vous rappelez. Hop. Configuration. Puis je descends, je m'occupe pas de tout ça hein, donc ça c'est le pays. De toute façon, on va voir réinitialisation magasin. Je tape là, il me demande le mot de passe, comme je vous ai dit, c'était ça et ça. Bon, la télécommande bug un peu, donc forcément, ça va faire une première mot de passe erroné. Yes, mais. Bon, lorsque c'est comme ça, passe incorrect. Là, est-ce que je suis peut-être avancé au niveau du TCL en fait. Donc là, il va falloir que j'aille faire quoi?
que j'aille chercher le mot de passe par défaut pour TCL, comme ça vous allez voir aussi. Pour réinitialiser, là c'est un mot de passe. Si j'ai pas ce mot de passe là, je peux pas réinitialiser ça à l'état d'usine. Pour ça, je vais aller sur l'ordinateur là. Ok. Ok. Je lance un navigateur. Okay. Qui normalement qui est censé se lancer rapidement, mais comme voilà, puis là je tape mot de passe à la ligne ailleurs. Place ici déjà. Ah ok, ma carte réseau est désactivée, ça je le fais souvent. Voilà, ok, donc on va y revenir hein. C'était pour là, je vais vous montrer comment obtenir le mot de passe et réinitialisation de votre téléviseur si jamais vous l'avez plus en fait, si vous oubliez votre mot de passe. Donc ça va être mot de passe de bon, pour aller plus vite on va mettre TCL derrière. TCL. Ok, donc tout dépend de votre marque en fait. Vous allez voir que voilà 0423. Donc ce code là, vous allez voir tout à l'heure que ça va faire. Donc pour TCL, c'est ça. Donc les autres marques, par exemple Thompson, vous avez visé plusieurs en fait. Là, j'ai oublié ça. Je retourne sur ici là. Je vais pour dire que j'ai oublié le mot de passe. Donc ça fait ceci, puis configuration, puis initialisation. Pour ce modèle là, c'est par là qu'on y va. Puis là il demande le mot de passe. On avait dit que le mot de passe qui va permettre de réinitialiser sa barre de défaut, c'est 04. Là je vais me tromper encore une fois parce que la télécommande bug et ça, donc c'est 04 23. Aussitôt vous voyez que c'est bon, vous voyez que c'est un peu voilà. Donc là vous pouvez faire annuler si vous voulez, mais moi je vais faire ok, c'est bon parce que je veux réinitialiser. Donc là je mets voir pour voir si c'est ça qui donc là la télé est comme elle était lorsqu'elle était en magasin en fait. Ok, donc là là vous choisissez la langue, tout dépend de votre pays en fait. Moi je vais descendre pour aller chercher la langue que je préfère. Donc par exemple celle-là, hop, pays, donc voilà, anglais initial. Donc vous voyez, veuillez choisir le pays, donc vous choisissez tout dépend. Ici je vais laisser ça en France, on va vouloir capter les chaînes nationales de France. Donc un mot de passe voilà, bon, moi je vais mettre celui-là, vous mettez ce que vous voulez. Ok, je tape ça en dessous. Ok, et là par contre vous pouvez dire que, attention, nous allons mettre ça à jour tout à l'heure. Là vous pouvez dire que bon, ça c'est les l'antenne nationale, sinon par câble, donc le canal satellite ou autre, tout dépend. Donc, moi je vais laisser sur l'antenne nationale. Bon, ça c'est une première installation en principe. Là, il vous demande de choisir les canaux de diffusion numérique ou analogique. Donc là, bon, là où je suis toujours là, on est en numérique, mais je peux décider de choisir, de chercher les deux en fait. Il va chercher les chaînes nationaux qui se diffusent en analogique ou en numérique. Donc, en l'occurrence, je sais qu'ici c'est en numérique.
là la logique n'est plus voilà. Donc je vais pas perdre le temps de lui dire de chercher analogique aussi parce que j'ai pas besoin de l'analogique. Bon, sur certaines chaînes, oui, bon, voilà, par exemple, bon, il y a d'autres technologies qui. Il y a d'autres chaînes qui se diffusent en analogique toujours. Mais en France métropolitaine, c'est du numérique. Donc, du coup, je choisis uniquement numérique. Alors, si j'avais choisi celle-là, le scan allait chercher numérique et analogique. Donc, moi, je veux juste que ce soit du numérique. Je sélectionne numérique. Si je veux que ce soit du analogique, non pas numérique, je sélectionne. Donc, je sélectionne numérique, je fais suivant. Donc là, ça dit quoi? Commencer par brancher, bon, voilà. Le câble antenne, c'est correct. Moi, c'est bon. Je sais que c'est branché. Et là, je peux laisser sur rechercher ou pas rechercher. Donc moi, je veux rechercher. Je vais rechercher. Et voilà. Donc là, normalement, il scanne. Il va avoir les chaînes nationales, en fait. Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est qu'il a rien trouvé. Pourquoi? Je sais pas. Bon, parce que mon antenne là, je vais poser là ou là. Il commence à capter. Là, on est pas, j'ai pas encore mis à jour le logiciel. Nous allons voir tout à l'heure. Là c'est bon, il a capté 39 chaînes, je sais pas, parce qu'en général en numérique la TNT vous avez pas mal de chaînes en fait. Là, vous savez que ça c'est une télé qui a la TNT intégrée. Donc si jamais votre télé n'a pas la TNT intégrée, donc je vous explique qu'il y a une option de boîte aussi, boîte TNT, vous l'achetez puis vous allez brancher comme vous voulez en Péritel ou en HDMI, puis bon voilà. Vous allez pouvoir capter les chaînes du TNT national en fait. Donc là, si c'est un magasin, je dis bon, c'est un magasin. Donc moi, c'est maison, je laisse sur maison. Ok. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait là, lui? Moi, j'ai pas demandé parce que. Voilà, donc c'est maison. Hop. Ça nous dit quoi? Félicitations. Allez, allez, allez. Ok, terminé. Donc normalement, je suis censé voir la télé. Ça, c'est une première installation. Mais par contre. Ça n'a pas résolu le problème. Donc là, on a dit que on allait voir pour mettre à jour le software. Pour ça, toujours dans les menus, qu'est-ce que j'ai fait? Là, par contre, sur ce modèle-là, je ne sais pas où ça se trouve. Vous allez m'aider à chercher. Moi, je vais vous dire où est-ce que c'est. Donc, par exemple, option. Si je vais dans Options, qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben directement dans Options, mise à jour logiciel. Ok? Les autres options, c'est pas la peine. Bon, si vous avez des soucis, vous pouvez vérifier. Vous voyez, lorsque j'ai appuyé sur Menu, sur ma télécommande, ça m'a envoyé ici. Ici, j'ai été dans Options. Tout à l'heure, pour mettre ça à l'état d'usine, on a été dans Configuration, mais pour mettre à jour le logiciel, c'est là où il y a les le tournevis. Et la clé. Ok, donc je fais option, je clique OK. Donc là, les autres choses, ça si vous voulez voir. Mais voilà, il y a tellement de choses à expliquer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais cliquer sur télécharger, mise à jour, enfin, mise à jour logiciel. Moi, ça va. Pourquoi je vous dis que ça va? Parce que voilà, là. Il y a le réseau Ethernet, donc c'est là que je veux voir qui va, je vais lui dire d'aller chercher la dernière mise à jour du logiciel. Donc, ok, je vais lui dire d'aller chercher la dernière mise à jour du logiciel. Ok, donc là je clique pour voir ce qui se passe à l'intérieur parce que je suis connecté en Internet. Je fais configurer et fais voir. Est-ce que je lui mets une adresse IP directement ici?
sinon je le laisse en DHCP. Donc là, vous voyez que ma connexion internet, c'est vraiment dommage, je peux pas vous montrer plus grand que ça. Et vu que j'essaie de voir pour vous soumettre ça. Voilà, ok, vous avez vu que connexion internet c'est en arrêt. Donc là, pour que, parce que je vais faire un retour en arrière, si je fais exit, vous avez ici hein, exit pour sortir là où est-ce que nous étions, nous retournons dans menu et je retourne dans là où je vais trouver mise à jour de logiciel, options. Je descends tout en bas, ok, mais avant de aller dans mise à jour logiciel, donc je dois m'assurer que ma connexion internet est correcte. Donc du coup réseau Ethernet, donc c'est là j'étais tout à l'heure, je fais entrer. Tout dépend de votre modèle, ça peut être différent. Je fais entrer, donc là il me dit que connexion internet c'est en arrêt, c'est certifié là. Donc du coup, même si j'avais lancé la procédure, ça allait pas pouvoir s'alimenter à internet puisque la télé est connectée. Donc je mets en marche, vous voyez que marche. En principe, si je veux, je peux déterminer une adresse IP là, mais je vais faire information. Vous voyez voir interface Ethernet, ok, c'est en automatique, ça va. Donc ça veut dire que le serveur DHCP va donner à cette télévision une adresse IP de mon réseau. Et vous avez aussi l'adresse MAC aussi, tout ça ce sont des choses DNS primaire, DNS secondaire, tout ça c'est par défaut. Donc moi je laisse comme ça. Mais si jamais vous voulez personnaliser tout ça là, oui, mais la télécommande normalement je dois sortir, mais pas, voilà, retourne. Voilà, sur celle-là j'ai le bouton retourne. Est-ce qu'il prend ici? Il prend pas. Si normalement elle est censée le prendre. Je laisse ça comme ça en fait. Ça c'est les paramètres de la carte réseau en fait. Ok, donc là c'était pour le, si je veux mettre une adresse IP, j'aurais pu faire voilà, là c'est toute une histoire. C'est pour ça que je vais laisser ça en automatique. Pourquoi? Parce que c'est juste pour télécharger le logiciel. Donc je, voilà, c'est pas une télé que je vais garder. Les serveurs DHCP vont me suffire largement. Ok, on va lui donner une adresse IP automatique. Donc du coup, vous avez tout. S'il aurait fallu mettre une adresse IP, il aurait fallu voilà, se fait manuel. Donc là vous voyez que c'est un auto, là vous faites manuel. Vous avez une panel de choses à mettre. Par exemple, je sais que ma classe est une adresse IP, j'ai une adresse IP, j'ai un réseau en classé, je remets les 4 octets là. Ok, ça aurait été l'adresse IP de cette télévision. Et puis le masque, voilà, il y a la Pascal par défaut, donc il y a l'adresse IP du routeur. Et vous aurez aussi le DNS primaire si vous souhaitez personnaliser tout ça. Donc moi j'ai laissé ça en auto hein. Je veux pas, c'était pas ça le but, voilà. Mais si je peux retourner ici hop, il faut que je fasse retourne. Ça n'a pas fonctionné. Et j'ai pas envie de faire. Je tape menu une fois. Ok, c'est bon. Test de connexion. Je vais voir. Maintenant, il faut tester la connexion. Voir. Si. Bon, déjà. Échec du test. Connexion réseau. Donc, du coup, là, il y a un problème. Problème. Est-ce que la prise RJ45 derrière la télé fonctionne? Ou est-ce que mon câble RJ45 fonctionne? Donc on va voir ça. Je vais voir si ça s'allume déjà. Ou bien. Ou pas. Ok. Ça je vérifie sur le switch, voir si ça passe. C'est bon maintenant. Derrière, normalement, on est censé avoir du signal.
parce que j'aurais lancé la recherche de logiciel, ça n'allait pas s'aboutir. Pourquoi? Parce que ça n'est pas se connecter tout simplement. Maintenant je sais que c'est quoi, je vais changer le cap. Ah non, mais changer le cap, il faut que je trouve un autre cap là. Ça, vous avez du cap droit, du croisé, tout ça. Je vous expliquerai tout ça un jour. Parce que tout ça, là, c'est des notions à savoir dans le domaine. Donc là, ce que je vais faire, je prends là, je démange, et je passe le pied. Ok, j'entends du clips, ça va. C'est bon signe, ça veut dire que c'est bien, bien, bien. Fonctionner. Je sais pas lui ce qu'il me fait, mais il m'agace. Ok, c'est bon, je vais refaire maintenant mon test de connexion. Normalement je dois voir cette télé là, on va voir ça tout à l'heure. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Parce que là, on est en train de faire les trucs là. Parce que là, il faut que je vois quel récipient que cette machine, que cette télévision a. Ok. On a dit que on allait les mises à jour logiciel. Oui, non mais c'est pas ça. On a les tests de connexion d'abord pour être sûr que ça marche. Voilà, la test de connexion réussit. Donc je pense que c'était là, vous voyez que c'est mieux parce que tout à l'heure là on n'avait pas de connexion. Là c'est mieux. Le test de connexion réseau est réussi. Donc du coup là je peux dire que je vais chercher maintenant le logiciel qui correspond à cette télé pour dire que est-ce que c'est pas ça qui fait que ça part là, j'entends pas. Ok, je fais ok. Maintenant, c'est plus la peine de mettre une adresse IP, c'est en automatique. On verra. Peut-être tout à l'heure on va voir son adresse IP, mais on verra. Je vais voir une chose. Est-ce que moi les adresses IP là, si je fais les informations. Voilà. Là vous voyez que tout à l'heure il n'y avait pas l'adresse IP. Donc là, vous avez l'adresse IP que cette. Alors, c'est cette rangée là. Alors, vous avez toute une classe. Voilà. De toute façon, je pense que je vais migrer mon réseau. Comme ça, toutes ces informations là, vous les aurez plus. Hein. Donc là, maintenant, c'est bon. C'est connecté. Je peux maintenant venir dire que je vais chercher la mise à jour du logiciel. Là par exemple. Ok, mise à jour logiciel. Ok, ça nous fait là c'est la version, en fait la version actuelle du logiciel que vous avez, c'est un V8 3MT3 1TT-LE-LF un V008. Donc ça c'est un modèle, la version du logiciel. Maintenant on va voir si il y a une nouvelle version pour ça. Est-ce que c'est pas ça qui crée le bug qui fait que le son ne joue pas? Donc on va voir ça. Maintenant en dessous vous avez le nom du produit, en fait. Donc ça c'est la télé, en fait ça c'est dû à la télé. Donc là il a déjà calculé ce numéro de série. Donc je fais que ok,
Si je fais télécharger manuel, donc là c'est, je vais faire un tas de trucs. Je vais laisser ça en automatique, ok? Si je fais, de toute façon on peut tester voir. Hein. Là ça fait ça, ça cherche, ok? On a fait ça en manuel, après on va voir en automatique, hein, parce que on est là, parce que cette histoire de haut-parleur là, c'est toute une histoire. Là, ça cherche voir s'il trouve. Donc, en principe, ça doit prendre un petit peu de temps. Dans ces temps-là, je mets les salles et puis je fais un tour. Je reviens tout de suite. Là, il cherche le logiciel qui est compatible à la télé. C'est où le... Ok, donc aucun logiciel détecté en transmission hertzienne. Donc ça là par contre, je veux passer en automatique parce que lorsque on a essayé manuel par exemple, hein, on a essayé manuel, ça n'a pas fonctionné, donc on va passer en automatique. Donc je retourne menu, hop, c'est ce que vous faites à votre télé. Donc moi je vous ai dit, si jamais vous voyez que des petites choses comme ça, des opérations compliquées comme ça, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez contact avec moi sur la chaîne, dites-moi de quoi il s'agit, je reprendrai contact avec vous si vite. Donc là, ça fait mise à jour logiciel. On sait que notre connexion fonctionne. Ok. Puis je vais dire télécharger automatique. Oui. Maintenant, ah oui. Là, normalement, il devait trouver une. C'est quoi cette transmission artésienne là?
peux voir ça sur l'ordinateur parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Transmission artisine. C'est ça. On appelle ici c'était LNT. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? La transmission, je comprends la diffusion par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques des signaux de radio-télévision ou de bruit au signal n'ayant pas besoin de support matériel pour être transmis et reçu par une antenne. Ok, donc du coup, j'ai lu, mais ça me parle pas vraiment. Donc en manuel, ah ok, mais non, parce que l'antenne ça me sert de support, ça n'a rien à voir, parce que l'antenne me sert de support. Ok, l'antenne me sert de support. On va les balancer ça, soit je les... Parce que là, il est compté. Il fait toujours la même chose et il trouve pas. Hop. Téléchargement manuel. Je l'insiste encore. Téléchargement artisien. Bon, voilà. Donc, on a vu que il faut aller télécharger le logiciel pour mettre à jour le logiciel de cette télé. Donc, du coup, pour ce faire, tout dépend de votre marque. Donc, du coup, là, c'est un TCL. Puis, vous avez le modèle que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour ce faire, il va falloir qu'on aille sur le site de TCL. Ok, bon, site de TCL. Je lance ce navigateur là qui tarde à se lancer. Mais parce que là, vous voyez que la télé, moi j'ai une idée. Hein. Je pense que c'est un condensateur. Condensateur qui pose problème. Ce petit condensateur là, il faudra qu'on ouvre la télé dans tous les cas, mais je vais vous montrer comment faire la mise à jour si jamais c'est ça. Donc du coup, là vous avez vu les procédures, hein. J'ai été dans les paramètres, j'ai réinitialisé et tout, c'est pas ça qui provoque ces problèmes là. Donc je pense que c'est autre chose. Donc là, du coup, nous allons passer à la mise à jour du logiciel. Donc pour ce faire, je dois me rendre sur le site du constructeur de ma télé. Donc, c'est un TCL le mien, donc c'est, je me mets là-haut là, je mets www.tcl.com, normalement ça suffira, hein. Donc je vous mets pas les HTTPS, parce que là, voilà, on arrive ici là, sur le site officiel de TCL. Ensuite, vous allez dans service. Que vous allez dans service, vous cliquez là-dessus. Lorsque vous cliquez sur service, vous avez ces quatre options là. Par exemple, téléviseur support, mobile support, audio support et électroménager support. Donc, moi je vais dans téléviseur support. Je clique là-dessus. Ok. C'est ma connexion qui bug un peu. Puis j'arrive ici. Donc là, je mets le numéro de produit, en fait, le numéro de modèle. Le modèle. Ok, le modèle. Normalement, ça vous allez le trouver sur l'étiquette derrière votre télé. Donc sinon, moi je vais sur ce modèle là. Si vous pouvez le voir en allant ici, menu, sur ce modèle là, hein, je vais dans
options, puis mise à jour du logiciel tout en bas. Nous allons passer via le une clé USB. Donc, attention, cette clé USB doit être formatée en Fathom 2, pas en NTFS. Donc, du coup, nous allons voir tout à l'heure, sinon elle ne va pas être reconnue par la télé. Donc, vous avez sur ce modèle là, vous avez le numéro, le nom du produit en fait. Donc, ça c'est le modèle. Hein. Donc, ça c'est la version du logiciel, on avait déjà vu ça. En dessous, si vous l'avez pas, donc vous pouvez le trouver là, ou sinon sur l'étiquette derrière la télé. Donc, on a dit que on était là. Donc, une fois que je tape le modèle de mon produit là, je fais recherche. Sur TCL, ça se passe comme ça maintenant. Sur Samsung ou Sony ou LG ou autre, ça peut être différent. Donc, du coup, vous avez tout ceci. Donc, fiche produit. Donc ça si vous avez pris la fiche normalement lorsque vous achetez la télé toute neuve, vous avez tous ces documents qui vous sont fournis en fait. Si vous les avez plus, vous pouvez tout de même les télécharger là. Moi c'est le logiciel que je veux, par exemple étiquette énergie, donc c'est pour savoir si ça consomme trop ou pas beaucoup. Classe A, classe C, classe B, voilà tout cela. Donc le logiciel, donc ça c'est le logiciel de notre télé, hein, donc la version à jour. Donc si vous voulez mettre à jour par clé USB, c'est ce que nous voyons là. Puisque nous n'avons pas pu le faire en direct, puisque ça nous dit que transmission artésienne, c'est toute une histoire, donc ça ne m'a pas parlé. J'ai pris cette option là, puisqu'il y a plusieurs options. Donc manuel là, c'est ce que vous avez, la notice. Pour savoir comment faire déclaration de confidentialité, donc ça c'est intéressant aussi. Fiche produit, voilà. Donc moi je vais prendre logiciel parce que c'est le logiciel que je vais télécharger. Je clique là dessus, boum, ça me vient comme ceci. Donc VBMT3, c'est exactement ce que nous avions vu sur la télé tout à l'heure, hein, parce qu'on a été là sur la version logiciel. C'était ce que ça nous a affiché en fait. Bon, ok, donc je fais ok, télécharge ça. C'est un fichier compressé, hein. C'est un fichier compressé. Vous allez devoir le décompresser, tout dépend. Bon, moi j'utilise WinRAR, donc ça peut être 7zip pour vous ou autre. Voilà, donc là j'ai mon fichier qui est téléchargé. Donc ce fichier, je vais le prendre. Ok, bon, je vais le mettre en mémoire d'abord. Je sais qu'il est là. Maintenant, je vais prendre la clé USB. Ok, une clé USB. Une clé USB que je vais devoir formater. Okay. USB comme ça, là. Que je vais devoir formater sous FAT32. Donc, je vais le connecter. Vous verrez tout à l'heure. C'est pas compliqué. On va voir si. Ça. Pour aller voir ça, normalement. Voilà les gestionnaires de fichiers qui nous amène ici. Bon, c'est parce que je voulais. Donc, il y a plusieurs façons d'y aller. Donc, là, moi étant ici, je peux aller autrement. Hein. Mais je vais aller dans CPC. Et là, j'ai une périphérique Vintoy. Vintoy, donc voilà. Donc, il va falloir que je fasse ce truc là. Parce que voilà. Il me fait 28 gigaoctets. Donc, tout dépend. Voilà, oui, c'est pas un grand fichier. Donc, du coup. Une clé des 4 gigas normalement ça suffit pour mettre le fichier là dedans. Donc je vais le formater. Donc on fait clic droit, formater, ça nous fait ça, formatage rapide. On va pas faire trop rapide là, c'est en exFAT, donc c'est système de fichier. On va dire que c'est connu pour du macOS ou tu m'appelles bien. Donc je clique là dessus NTFS, non c'est pas ça. Il nous a dit de le formater en FAT32. FAT32 par défaut. Hop, je sélectionne ce système de fichiers. Vous avez vu, hein? Après, si vous voulez renommer, c'est par là. Mais donc, nous, on va laisser ça comme ceci. Je vais le renommer quand même. Ouais, je vais mettre TV pour. Ok. Pour simple. Ok. Ok, ça a été
formaté en FAT32. Après, bon, je vais refaire ma clé comme c'était. Donc, forcément, je vais changer le système des fichiers. Je fais OK. Maintenant, j'ai TVIC qui est en F là, qui est formaté. Donc, je peux venir ici. Je fais un clic droit parce que j'avais déjà pris le logiciel que je viens de télécharger. Donc là, je peux faire extraire ici, qui va m'extraire des fichiers. Donc, ou sinon, je vais l'enlever de là, mais qu'il n'y ait pas de confusion. Je peux faire de cette façon aussi. Ok, je vais là où je vais télécharger le fichier, j'ouvre le dossier, Firefox c'est comme ceci. Il m'amène ici, donc je clique droit sur le fichier, extraire les fichiers. Donc là, extraire les fichiers. Et pendant que je clique là sur WinRAR, c'est comme ça pour que je décompresse ça, que ça aille sur la clé USB. Donc là, j'ai tous mes périphériques là, mes dossiers, tout ça là, si je veux. Donc moi, c'est TV. TV, c'est la clé USB. Donc je vais le sélectionner. Donc il va m'extraire ça dans là. Hop, c'est fini. J'ai mon logiciel qui est sur ma clé USB que je vais venir prendre insérer sur la télé. Donc si vous n'avez pas de télécommande, il suffit de rester appuyé sur le bouton pouvoir de votre télé, de votre TV. En fait, ça c'est si vous n'avez pas de clé USB, ok. Si vous n'avez pas de télécommande, c'est ça que je voulais. Ça va forcer la mise à jour. Il va chercher la mise à jour sur la clé USB. Maintenant, sur la télécommande, nous allons voir. Je mets ça derrière la télé puisqu'il y a un port USB sur celui-là. Hop. C'est correct. Boum. Déjà, j'ai vu que ça a reconnu ça. Mais ça a reconnu effectivement TV, que j'ai vu, j'ai pris la première option, hein, ça m'a amené sur TV, donc c'est le nom de la clé. Hop. Ok, maintenant j'ai le fichier là, VBS. Si je veux, je peux cliquer voir ce que ça fait. Le fichier n'est pas supporté. Bon, ok, ça c'est un fichier texte. Donc c'est pour ça, je pense que voilà, et c'est dans V8MT3AETT-LF1VO58. C'est le modèle du logiciel. Ok, normalement ça devrait forcer la mise à jour. Qui ça nous envoie directement sur la clé USB, puisque la clé USB comme genre en prioritaire. Bon, ouais, même si on ne doit l'avoir. Maintenant, il y a macOS et macOS 6, c'est pas pour du ça là. Les fichiers supportés, le fichier n'est pas supporté par le poste télévision. Pourquoi? Je ne sais pas, mais normalement ça devrait se faire comme ceci. Je vais retourner sur le site voir. Normalement c'est celui-là. Bon, comme je vous ai dit, ça c'est pas les ordinateurs. Je sais pas, tu sais ce que je vais faire. Je vais extraire parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Là dedans, je sais pas si vous avez vu. Je vais extraire. Les autres fichiers, parce que c'est peut-être ça. Est-ce que c'est ok, non, c'est PC. TV ici là. Hop, là, le fichier là, c'est une procédure.
Et celui-là encore, c'est une procédure. Donc je fais extraire ici parce que là nous sommes dans la clé directement. Donc ce fichier-là, je pense que voilà. Donc je vais, parce que j'avais pas extrait ce fichier-là, donc je vais le faire. C'est dû à ça que ça nous dit tout cela. Donc je ferme tout. Je vais éjecter la clé parce que faut que je le mette sur la télé maintenant. Hop. Ok. Maintenant, si je sors ici, exit, puis je vais dans source parce que c'est un problème de son satellite là. Oh. Ok, la caméra est connectée. Je vais vous faire tout ça avec lui parce que là, attends une minute. Parce que là, il y a la caméra qui est déconnectée. Vous ne voyez pas ce que je fais. Je vais le sélectionner. Voilà. Là, vous voyez. Ok, puisque vous voyez. J'ai remis la clé sur la télé. Donc du coup, si je vais dans menu, la télécommande à chaque fois aussi elle se désynchronise. Si vous voyez que votre télécommande se désynchronise, la technique pour resynchroniser ça, c'est que vous enlevez les piles de votre télécommande et vous appuyez sur toutes les touches. Toutes les touches, après vous remettez les piles. Normalement votre télécommande est resynchronisée. Ok, c'est bon. Je fais un retour ici, voir. Donc c'est menu, et on attend ici et on va sur la clé USB. Vous voyez que cette télécommande aussi elle passe si performante. Hop, TV, ça c'est pas hop, voilà. Hop, c'est pas supporté toujours. Pour faire cette mise à jour là, c'est compliqué parce que histoire de mise à jour des télés là, c'est faisable. Mais c'est tout. Il faut que tout fonctionne correctement. Les prises, les choses, et voilà. Pourtant, le fichier là, normalement il y a des instructions à suivre dans ce fichier là. Ok, pour ça il va falloir qu'on puisse aller, il y a, si on se trompe,
collé dans le bureau. Referme ici le truc là. Parce que là, je suis en train de voir parce qu'il y a des instructions avec le fichier. Et j'ai pu voir que je ne pouvais pas l'ouvrir. Et là, on est déjà ici. Si je clique là, on est là. Donc, c'est plus ici. Ah, voilà, clé. N'est pas connecté sur l'ordinateur. La clé est sur la télé. Donc c'est correct. Voilà, ces fichiers là, il faudrait que j'arrive à le lire pour savoir. CL Q push control Q de spécial menu Q. Voilà, il y a plein de choses qu'il faudra voir. Donc ça, c'est software recruited by USB using OK right put on study Season by TV insert your OK of the TV I press key using the given notes. Press this key for gun when you still lead backwards. Enter OK. Alright, this is the process I have to do. We will do it. Is that two keys? Directly the local keyboard. Là, il nous dit d'utiliser directement les boutons sur la télé là. Ou not the remote control. Donc ça, il nous a dit ça exactement. Press this key for 5 to 7 seconds until the LED is blinking. Starting. Okay. During look the TV screen will be go black. Ok, donc puisque on a mis la clé USB, ok, c'est bon, ok, on a mis notre clé USB. On a mis notre clé USB. Donc du coup, il nous a dit d'appuyer ce qu'on faisait depuis tout à l'heure sur le bouton pour voilà. Là, il bouge directement sur la clé. C'est pas normal que ça fait ça. Donc, on nous a dit que la clé, c'est pas la clé qui doit apparaître en premier, c'est autre. Put standby, ok. Ok, ok, I will put this on standby. Ok, standby. J'ai enlevé la clé USB, la télé éteinte.
vous allez d'appuyer sur le bouton pour ok. Voilà, donc, nous avons directement sur la clé USB. Et tu nous dis que j'ai bien ma clé en FAT32, donc c'est la procédure. Si ça n'a pas fonctionné, on va savoir pourquoi tout à l'heure. Sinon, où est Samy? Voir Samy à jour le logiciel sans qu'on sache. Oh, ça peut être ça aussi, hein. Bon, je vois. Ah, ok. Il nous a mis ça à jour. Ok. C'est à jour. Maintenant, on va passer au démontage, puisque ça fait le même problème. Donc pour ça, je dois préparer pour démonter ce téléviseur là, parce que vous avez vu que c'est quelque chose assez complexe. Les LED c'est fragile, il faudra qu'on vous voit ça. Donc tout à l'heure pour le remontage. Bon, voilà, on va ouvrir cette clé là. Attention, il y a des vis à peu près partout, mais sur ce modèle là on va pouvoir extraire cette partie là pour accéder à la carte mère. On va faire un peu de soudure parce qu'on va dessouder le condensateur, et puis voilà, vraiment faut juste dessouder cette petite condensateur là qui pose problème, et puis nous allons voir. Et puis pour démonter ça, vous avez des vis, hein, normalement. Regardez, là il y en a deux, puis et là il y en a et encore, ça fait 4. Ici ça fait 6 et 8 10. Ok, c'est là 10, et puis là il y en a 2 12, puis là il y en a une, ça fait 13 14 15. 15 vis, et puis sur là, 1 10, ok, c'est là. Ok, donc on va pas tous les dévisser parce qu'on peut enlever une partie. Donc on va commencer par
Et puis là, le support du pied. Moi, il y a deux vis en bas. Toc. Vraiment, ça vient comme ceci. C'est des petites vis, vis comme ça là. Par contre, ceux-là sont de la même taille. C'est pas un problème. Ils peuvent être mélangés. Ok, le support. Premier support gauche comme ceci là, on met ça là parce que il y aura des vis, hein. Il y aura des vis. Fais voir une chose, c'est bon, il y aura des vis. Pendant ce temps que ces supports là, on va prendre l'autre support aussi. On réussit, oui, pourquoi c'est le vis, parce que j'ai déjà enlever là. Voilà. Ok, 4 vis support sont sortis. Support droite. Super. Présent. Et à ces 4 là, là, du bas. On va le faire. Hein. On va le faire. Hein. J'essaie d'avoir une tournevis aimantée. Bon, par contre, ceux-là sont des petites vis, tous de la même taille aussi, mais moins grosses que les 4 précédents là, que nous venons d'enlever. Bon, du coup, c'est pas grave. C'est que les 4 précédents, ça sert au support. On aurait même pu laisser sur le support parce que électrique, parce que ça va pas le faire. Ok, on a ce 4 bus là, toc toc toc. Maintenant il y a ces 4 monsieur là, on va le faire celui-là aussi, on va se les faire. Hop. Et la même taille, ça va. Je peux te mélanger. Il y a deux tailles différentes. Histoire des vis là. Une histoire à prendre en compte. Parce que. Bon, après, on peut les échanger. Hein. Peut-être que celui-là. Je me suis fait celle-là, celle-là. Ok, donc on va se faire celui-là. De toute façon, faut tous les faire. Sinon, on peut pas ouvrir. Parce que là, après, on va accéder à la carte mère. Je vais pas vous expliquer toutes les composants qui sont la carte mère parce que c'est complexe. Tous de même taille. Ça va. Hop, on va se le faire celle-là. Sinon pas d'accès à la carte mère. Donc c'est bon, je me suis fait cela. Pendant qu'on y est, on fait les restes. Thank you.
est différente. Donc, de toute façon, il va se mettre au milieu, de toute façon, on verra toutes les vis. Bon, ok. Là, on s'est fait pas mal de vis. Donc, faut voir celles qu'on n'a pas fait, qui sont cachées parfois. Ok, à tout principe, cette partie-là est censée venir nous voir. Comment on va faire attention à les faire venir? Un truc là que je trouve pas, ça m'énerve. Ok, hop là, tranquille, c'est ce que je cherchais pour faire ça venir tranquillement. On va commencer de ce côté là. Petit sésamo, hop, voilà, petit sésamo, ce n'est pas suffisant, on passe en dessous, vous voyez, un petit tout, tout fin, tout petit, hein, pour délider l'extraction du capot, doucement, sinon, vous risquez d'abîmer certains trucs. Et le but, ce n'est pas d'abîmer quoi que ce soit. Pas de l'autre côté. Hop. Vous avez vu la façon que j'ai disposé la télé. Hein. Vous avez vu. J'ai mis quelque chose en dessous parce que l'aide là c'est très fragile, donc si vous voyez que ça résiste, il faut pas trop forcer, il faut regarder s'il n'y a pas une vis quelque part et des vis ici. Alors celui-là c'est pas normal que ça me tient tête. Parfois derrière les étiquettes peuvent manquer. C'est pas normal que ça me tient tête comme ça. Ok, je sais pourquoi. Parce que il y a deux vis là. Parce que normalement cette partie dessus, ce plaque métallique là, doivent être sorties. Donc, du coup, comme je vous ai dit. C'est les mêmes tailles que celui-là, fait voir. Ah non, c'est pas la même taille. Et ça va pas. Normalement, ça devrait s'extraire très facilement. Vous appuyez pas comme un malade là-dessus et vous enlevez tout ce qui est bracelet métallique, par exemple bague, je dis bracelet. Ceux-là sont dévissés. Maintenant on fait un test. Cette fois-ci on y va un peu plus franchement, mais un peu plus franchement, voir que
qu'il y a des vis qui sont en noir. Ok, on ne voit pas. 1, 2, 3, 4. Qui sont en noir. Hein. Voilà, les autres vis sont noires. Alors ceux-là sont tellement noirs. C'est un petit, on les voit pas. Donc sans ça. Celui-là, c'est pareil que celui-là. Donc, c'est pas un problème si ça se mélange. Hop. Ah ouais, non, mais là, ça va mieux. Hein. On sent que ça dit c'est bon, c'est bon. Je vais. Voilà. Ça a déjà dit c'est bon. Lorsque vous enlevez, n'étirez pas parce qu'il peut avoir des nappes. Ok, voilà. Il y a des connecteurs en haut. Par exemple, celle-là, là, déjà il y a déjà des connecteurs. Forcément, celui du son. Puis, technique. Par exemple. Alexandre, il faut que je zoome là-bas aussi. Mais je vais faire ça là-bas. Hop. Si vous faites ça pour la première fois, technique, hein, prenez votre téléphone. D'abord, vous prenez une photo. D'accord. Si bon, je vais montrer la technique jusqu'au bout. Tout le monde me faut dire que je suis ordinateur. Aussi, je suis télé aussi. Hop là, on sait que tout est à carreau. Ça, c'est la carte mère que nous voyons là. Ok, ça, c'est la carte mère. Tranquille. Et c'est ça qu'on va devoir extraire. Chercher le petit condensateur là-dedans. Bon, ça va du coup pour enlever ça complètement. Il va falloir venir. Dénapper ça ici. Rappelez-vous, est-ce que vous avez dénappé, qu'est-ce que vous avez dénappé, qu'est-ce que vous avez déconnecté. Voilà, tout ça, c'est le. Ici, on prend le son. Et c'est là qu'on a des problèmes. Ah, ok. Tac. C'est bon. Tac. C'est bon. Maintenant, il y a un petit quelque chose. J'ai pas mis. M'amuser à dire que ça fait sortir la même chose. Donc il faut que je note, sinon c'est pas compliqué de noter. Faut se rappeler, il y a ça, petit pex là, je vais mettre ça ici parce qu'il y a deux. Comme ça, je sais que je quitte pas. Il y a le... ouais. Oh, il fait pas ici. Est-ce que je suis là, c'est pour. Ok, comme ça je sais que celui-là, c'est celui de gauche. Ils sont de la même taille, la même quantité de fil, mais... Et on déconnecte. Pour ça, je vais essayer de zoomer ça parce que... Je suis passé à terre que vous voyez là. Et là, settings... Ok, contraste, wow. Wow, on peut pas, je peux pas zoomer plus à part si je si avec la caméra comme ça vous avez pu voir parce que là c'est très délicat, désolé mais... Oui.
voyez mieux, mais c'est ça se grise donc du coup. J'ai laissé la qualité comme ça. De toute façon, vous verrez que là, un petit peu complexe, mais je crois que vous. Bon, de toute façon, je vous ai dit que j'allais pas vous dire c'est la question qui est bon là, il n'y avait rien. Là on est vraiment très minutieux là dedans. Vous forcez pas de rien de cela. De ce moment vous tenez au bout ce que vous ne voyez pas. Et là je vais pouvoir monter ça. Puis à dégager des marqueurs. Si le tupex ne passe pas parce que je vais bien. Ah non mais c'est. Là vous voyez les haut-parleurs, c'est les haut-parleurs, mais les haut-parleurs fonctionnent en fait. Si c'était pas ça, on aurait pu juste en placer. Puis bon, là, comme je sais que ça fonctionne, c'est voilà, c'est autre chose. Là c'est, on s'occupe pas. S'il faut remplacer les haut-parleurs, aussi simple, vous débouchez ça, vous démontez et vous déconnectez, vous remplacez les haut-parleurs. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir enlever, et une fois que c'est dévissé, ça s'enlève. De toute façon, on ne peut pas se tromper là-dessus. Parce que ça, c'est là où la prise d'antenne, le périphérique et tout. De toute façon, j'en ai fait un HDMI et tout. Et ça, c'est le doigt. C'est le doigt qui est scotché. On va le scotcher pour se montrer. Ça, c'est vraiment là où il y a les deux prises HDMI. Et là, c'est pour une disquette clé USB. Vous pouvez les mélanger ces deux pièces là, ce n'est pas un problème. Maintenant la carte mère, il faut qu'on le déconnecte complètement pour aller identifier le condensateur, parce que cette carte mère là c'est standard, hein? Standard. Alors, faut le déconnecter complètement. Pour ça vous regardez ce que vous déconnectez, où vous avez déconnecté. Bon, après comme je l'ai dit, si vous avez un problème comme ça, il vaut mieux faire appel à un technicien. Okay. Hop. C'est que notre carte mère est complètement déconnectée. Complètement. Puis, on va juste le dévisser sur le support. Parce que je prends. Voilà. C'est des vis gris, donc du coup c'est pas la peine de penser bien que ça va directement sur la carte mère. Faites attention, il y a des endroits à ne pas toucher ici. Et du coup, comme je l'ai dit là, parce que vous êtes sur une carte mère, que ce soit PC ou TV, votre et le réflexe de vous décharger des électricités statiques qui sont en fait. Pour construire, il y a plusieurs façons. Soit vous achetez un tapis, il y a des tapis comme ça, hein. Sinon vous prenez une câble électrique à terre, vous branchez à terre, vous brûlez ça sur vous. Au pire des cas, le minimum à savoir, c'est d'enlever tout ce qui est métallique sur vous en fait. Après hop, vous agissez sur la carte mère. Donc c'est bon, là voici la bête, c'est la bête. Et ça, petit condensateur là,
je vais vous identifier. Moi, je vais vous filmer ça carrément parce que là, c'est un peu compliqué. C'est pas une des grosses pièces que vous voyez, des diodes. Voilà, je vais vous expliquer. Mais voilà, parce qu'après, nous allons passer à la soudure. Vous voyez ce que moi, j'ai dessoudé cette petite pièce là. Et voilà. Bon, ok, condensateur identifié, mais attention lorsque vous, moi vous voyez, j'ai tiens la carte mère comme ça dans ma main, mais vous faites attention, partie où vous voyez que ici là, c'est l'électricité, ok, donc vous voyez que là, c'est la prise du 220, donc il ne faut pas toucher derrière, ou à l'avant, peu importe les pièces qui partent là, parce que là il y a de l'électricité toujours, même si je tiens ça comme ça, c'est déconnecté tout, il y a de l'électricité, donc faites attention. Alors le petit condensateur que je vous ai, j'ai dit que je vais vous identifier, là je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est celui qui est nommé, je sais pas si vous voyez, 658 à côté là, il est là, je sais pas, mais par contre si vous ne le voyez pas où, c'est autre chose, donc c'est nommé C138, ces condensateurs là on va juste le dessouder, c'est celui lorsque la télé chauffe qui fout l'appareil au niveau du son en fait, enfin, qui les sons, parce que une fois que ça chauffe, ça fait ce genre de bruit, donc du coup tu vois, il faut juste le dessouder, condensateur, ok. Normalement si vous regardez sur le schéma là, là la zone que vous devez pas toucher, c'est limité là avec le la ligne jaune que vous voyez là, le circuit là, zone est limité, donc du coup si tout un circuit, voilà, tout cela c'est la partie 120 volts, donc vous essayez, ne touchez pas lorsque vous avez, moi j'ai trouvé, j'ai touché quand même, mais c'est la partie où l'espérité, le machin, je sais qu'il n'y a pas du 220 pour votre sécurité. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire, on va devoir, je vais poser ça là, sans se dessouder, que je vais dessouder ça, mais il faut le faire, souder. J'ai pris un petit modèle là vite fait, électriquement ce petit là, les hop, maintenant je vais dessouder ce truc, sinon ça va chauffer, il faut que je prépare le warm-up, si c'est que je vais le mettre, je vais le mettre en dessous lorsque je vais finir. Donc je vais prendre quelque chose de pointu. C'est la tête, bon, j'ai pas besoin de changer de tête. Hein. Juste un truc. Des pointus comme ceci. Et ça, ça va la faire en fait, tu vois. Puis, je mets ça à côté. J'identifie le. C'est un truc que je vais dessouder là. Ok. J'attends un petit peu que le fer se réchauffe. Ok. Chaud.
c'est 138 tons. Vous ne soudez pas autre chose. Vous allez me dire pour dessouder ça, mais il faut que vous ayez un fer qui chauffe pendant au moins quelques minutes. Que votre fer là ça chauffe. Et moi je vais mettre la télé dessus. Donc des opérations comme ça, je vous conseille de faire parvenir un technicien. Voir si notre fer est assez chaud. Ok, je sais pas ce qui se passe là. Attends. Voilà, notre fer est assez chaud. On vient sur le. C'est quoi là? C'est pas encore tout à fait chaud. Donc, j'aurai. Je vais avoir la télé donc. Dessouder et l'extraire, sinon ça vient. J'ai dit que je fallait pas toucher là où l'électricité. Ne touchez pas à autre chose, hein. L'extension de ces trucs.
soudé, c'est pendant cette heure-là. Ok, c'est tout petit. Je vais vous le montrer parce que c'est pas grand-chose. Je sais pas si vous le. Vous allez pas le voir. C'est trop petit. À moins que je zoome un peu plus. Ouais, comme ça là. Quoique là, c'est quand même. Je peux voir ça. Voilà, c'est juste là, non. C'est noté C138. Donc, vous dessoudez, et puis bon, c'est un petit truc vite fait. Moi, je vais vous montrer une technique que j'ai fait. Regardez, j'ai dessoudé bien sûr avant, hein. Ok, parce qu'après, il faut pas trop truc. Tournez plus là, comme ça. J'ai pris une autre comme ça aussi. Puis je suis venu doucement, je me suis placé en dessous du condensateur. Puis comme ça, là, léger, puis je doucement, et puis ça fait sortir. Si vous avez du mal à le faire sortir sur le bras, après, c'est pas un truc. Donc là, maintenant, on va remonter. Je vais vous montrer le petit condensateur. Hein. Tiens, vous allez le voir. C'est un truc extrêmement petit. C'est une chose petite, vous voyez. Et c'est celle-là. Tout petit, tout petit, tout petit comme ça. Bon, c'est ça qui. Tout ça comme du coup. Là, reste qu'à monter la télé. Enfin, connecter la carte mère. Connecter la carte mère. Et puis, allumer. Ce qui est là qui ouvre. Ok, c'est pas bon. Bon, ok. Maintenant, attention, je touche pas là où la zone est délimitée. Je prends la carte, je replace. Tac. Je replace la carte. Comme ceci. Et je prends ma vis de support. Cool. Je mets la première parce que c'est une télévise grise, c'est pas difficile à remarquer parmi des vis noires. Attention, ne vise pas comme un malade parce que pour ne pas abîmer la carte mère. Hop, ça tient, tu vois. Je dois vous montrer, je ne l'ai pas fait, mais ça, je vous ai dit pour décharger tout, pour décharger toutes les composants dans la réelle technique. On va voir ça après tout à l'heure. Là, la carte mère est fixée où ce qu'elle était tout à l'heure. Du coup, reste à venir connecter ce que nous avons déconnecté. Hein. Je vous ai dit que je n'allais pas vous dire tout ce qu'il y a là-dedans. Je laisse ça au mec. Qui va faire. Alors du coup, ça c'était à gauche. Nickel. Et ça c'était là. Ok, correct. Et maintenant, ça c'était là. Oui, ça c'était là.
si vous vous rappelez, il reste tout de même à venir fixer. Je suis pour là. Ok. Mais ça, de toute façon, il y a des trompeurs. Hein. Ne vous inquiétez même pas, il y a des trompeurs. Qu'est-ce que je dis des trompeurs, c'est des trompeurs rentables. Ceci, les prises ne sont pas à leur place, mais je ne suis pas sûr que ça va pas bien se tenir comme ça fait là. Oui, je peux venir aussi le placer en même temps, c'est pas un problème. Ok. Ah, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je viens mettre les vis de support. C'est là qu'il faut pas se gourer parce que les vis là, il y avait 4. Et ces 4 là. Un par là. Ouais, il y a une par là. Une par là. Vous appuyez pas trop parce que devant l'aide de la télé là. Faut attention à ça, sinon vous risquez parce que c'est très fragile. Merci. Ok, c'est là. Ok. Là, correct. On va venir prendre le capot. Ok, ce capot là qui était tout à l'heure était comme ça. Avant, je voulais connecter. Connecter comme ceci. Oh, les désopaleurs là. Et vu que j'ai fait attention, les plaques de boutons manuels qui sont là. Bon, bien sûr qu'il y en a qui sont partis, c'est pas grave. Il était déjà comme ça, c'est pas ça. Une fois que c'est fini, je vais devoir venir bien m'assurer que à leur place. On fait voir si j'ai rien laissé au fond aussi. Tout ça à voir. Non, j'ai rien laissé à part ce que j'ai récupéré. Bon, là, je vous ai pas dit. Là. Bon, là, c'est si vous voulez changer le CD et tout ça. Bon, ça, c'est autre chose, mais c'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. On fait attends, les clips là. En fait, lorsque vous allez intervenir sur mon appareil, sur le bouton power pour décharger toute l'électricité dans les composants, très simple, vous débranchez tout carrément et vous restez appuyé sur le bouton power pendant une affaire de 15 secondes minimum. Mais 30, c'est pas mal non plus. Vous déchargez toutes les composants. D'électricité statique sur la carte mère, sur la télé. C'est celle-là que je vais vous montrer. Ça, j'aurais dû le faire avant d'ouvrir la télé. Mais bon, c'est pas grave aussi parce que je m'étais déchargé, enfin, je me suis enlevé des bagues et tout là. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc là, normalement, il n'y a pas d'électricité statique dans les composants. Toutes les électricités sont vidées dans le schéma. Donc là, c'est bon. C'est bien une chose. Vous vous rappelez, il y avait 5 vis là-haut. Là. Vous venez les placer sinon. J'ai dit 5, mais c'était 4. Parce qu'il y a 5 vis identiques, c'est pour ça. Mais, si je me rappelle,
un autre emplacement que j'ai trouvé tout à l'heure qui a une vis identique à ces quatre là. Celle-là, je me rappelle que c'est placé là. Donc, était identique à celui-là. Ok, maintenant il reste les autres là qui sont tous de la même taille là. Ok, je vais venir. Placer comme ceci. Ok. Électrique, mais comme ça aussi c'est bon. Voyez là, bien. Tranquille, mais tranquille. Ceux-là, vous pouvez visser parce qu'ils sont délimités. Ouais, ils sont limités, quoi. Vous ne risquez pas de toucher la composition de la carte ou autre. Ça, c'est quoi? Donc le capot est bien correct, fixé et tout. Maintenant, il reste les pires. Ça, il y a deux. Donc, là, vous aurez vu, c'est pas compliqué. Là, c'est bien parce qu'il y a un de capot qui vous aide à bien à vous guider, quoi.
bien sûr que. Voilà, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah. Alors, oui, là, il décide de mettre. Casser les pures. Mais moi, je vais lui casser en premier parce que. On ne casse pas les pures. Là, dans pas longtemps, je vais lui casser ce bien. Là, vous voyez, c'est parce que je fais, mais c'est le pied là qui voulait. C'est le pur. Et moi, je l'ai cassé en premier. Puisque je l'ai visé. Maintenant, côté gauche. Que voilà. De maçon, on a fini les vis. Tac. Check.
Après, c'est le fait que c'est pas sur TV. Donc, c'est sur TV. Vous vous rappelez, hein, c'est source. Il y a eu un accident. Là, c'est mieux. C'est pour ça qu'on s'est pas marié. Un accident. Maintenant, on va voir. C'était une semaine avant le mariage. Le son là. On voulait se marier tous les deux en secret, mais. Ruby nous a supplié de faire la cérémonie ici. Elle voulait être demoiselle d'honneur. Comment je pouvais lui refuser? Et une plateforme de bénévolat. On est fait pour être ensemble. Bouygues Telecom.
trouve toujours ce qu'il y a de mieux. Et le mieux, c'est quand on se sent bien chez soi. Le mieux, c'est quand c'est comme on aime, avec des solutions pour tout et des idées pour tous. Alors, on a inventé les créations originales, des innovations uniques qui s'inspirent de votre vie. Parce qu'il n'y a pas mieux que vous pour savoir ce qui est le mieux. Cuisinez-la, la 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 la. Après 40 ans, les rides se creusent. Il nous faut un soin qui marche, n'est-ce pas les filles? Novo Sérum Nuit Revitalift Rétinol Pur. Notre rétinol le plus puissant pour corriger les signes de l'âge nuit après nuit. Les rides sont réduites pour 100% des femmes. Il agit même sur les rides profondes. Des résultats approuvés par nos dermatologues. Novo Sérum Nuit Revitalift Rétinol Pur de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. On peut plus rien dire, c'est un comble. Bon, vous avez vu comment... C'est pour isoler les combles. Succès. Mais vous êtes qui? Sur des problèmes là. Je suis Effie Lafleur, isolation de votre maison, voilà. C'est moi qui fait. J'ai pas vu vos besoins. Je choisis un artisan près de chez vous et je m'occupe même des aides. Et vous supervisez les travaux? Évidemment. Un projet de rénovation énergétique? Contactez Effie. Évidemment. On était bien là-bas. Là où chaque moment n'appartenait qu'à nous. On était bien là-bas. Là où les soucis glissent, comme sur un toboggan. Là où on oublie tout, sauf ce qui compte vraiment. Et si on continue à prendre le temps d'être ensemble? Réservez vos prochains week-ends en famille sur centerparks.fr. Centerparks, ensemble, vraiment. Voilà, vous allez adorer notre nouvelle maison. Ah ouais, vous avez même fait installer une énorme émission. Ouais, c'était vraiment trop facile de rentrer dans la maison. Par les fenêtres, le jardin. Et bon, maintenant, on est tranquille. On devrait vraiment prendre une alarme, monsieur. Rendez-vous sur verisure.fr pour demander notre devis en moins d'une minute. C'est sûr, c'est Verisure. Frais d'installation offert. Bonjour, on fait de l'eau partout. Catastrophe, ça a ruiné le parquet. Voilà, je vous passe un pick-up. Problème vient du coup, cause du calcaire accumulé, elle a perdu toute son élasticité. Voilà. C'est ça qui a causé la fuite. Pour éviter ça, ajoutez calcon à chaque lavage. Ça prévient les odeurs, les résidus et surtout le calcaire et les frais inutiles. Et contre les millions de bactéries qui prolifèrent un peu partout dans votre lavage, utilisez calcon hygiène plus à chaque lavage. Le seul anti-calcaire qui élimine 99,9% des bactéries de votre machine. C'est quoi le pourcentage? Toujours, les vraies innovations sont celles qui sont utiles. C'est pourquoi aujourd'hui, votre agent TLM met à votre disposition un service de consultation avec un médecin par écrit, téléphone ou visio. Et ça vous facilite vraiment la vie. Santé, auto, habitation.